Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo. Comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Ça va, je te gêne pas poto? Attends. Oh putain. Il y a un piéton, excuse. Salut internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis accompagné d'un camion Ford. Et dans ce camion, vous allez voir, il y a beaucoup de colis. Ok. Bah bien entendu, ce sont des colis vides, mais on dirait qu'ils sont pleins. Aujourd'hui, l'expérience qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le camion ouvert en plein milieu de la route et on va voir s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui rentreraient ici pour essayer de dérober un carton ou deux. Donc voilà, il y a des télés, il y a le carton de la Play 5, il y a des marques assez connues, il y a des trucs Amazon, il y a un peu de tout. Voilà, et on va voir s'il y a des gens qui vont profiter de l'absence du livreur pour rentrer et voler ce qu'il y a dans le camion. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ah, tu vois, les gens ils bloquent un peu quand même. Hop, attends. Bah, il fait le tour du camion, voir s'il y a quelqu'un dedans, tu vois, t'as compris ? Il fait le tour du camion, il y avait des gains. Dès qu'il rentre jusqu'à bas, j'y vais. Ça va, je te gêne pas, poto ? Comme il est parti en courant. Le premier, j'ai pas réussi à le piéger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une planque derrière les cartons et je vais me cacher derrière les cartons et dès que j'entendrai quelqu'un, je sortirai les cartons. Une bonne petite cachette là. Connard. J'adore ce mot. Connard. Les gars, vous imaginez que Kamoff derrière, il y a une équipe technique et tout. Mais en fait, non, il y a rien. Il y a moi, le caméraman et Zombie, frère. Il y a que ça. Oh, dites-vous, hier, pour récupérer les cartons, ben, j'étais dehors jusqu'à 4h du matin à faire les poubelles. Ça veut dire qu'à tout moment, vous aurez pu croiser Kamoff en train de faire des poubelles. Si la planque elle marche, les gars, vous mettez un pouce bleu et vous me voyez plus. Allez, ben c'est parti, les gars. On attend la deuxième personne. Putain, c'est long. Je l'ai même pas vu le mec. J'ai entendu un mec rentrer, toucher les cartons. Je sais même pas si c'était un mec, une femme, un petit, un grand, frère. Il est parti, il est tombé tout, non? Merde, j'ai débranché le téléphone et tout. Bon, maintenant faut ranger les cartons. Mais ça les gars, je vous dis, on va le faire qu'une fois parce que ranger les cartons à chaque fois ça va vite me gaver. Non, en plus se cacher c'est pas bon, pourquoi? Parce que le mec peut pas l'attraper. Et moi, et Kamoff, c'est quoi le but, la base? C'est d'attraper les gens. Let's go, on part à un autre endroit, les amis. Non. Allez, mec, mais. Je sais pas. T'as filmé, gros. Tu peux arrêter de filmer. Allez, putain, ça sert à rien. Attends, il revient. Attends, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde cette déconne là. Ok, lui, il est suspect. Dès qu'il rentre dans le camion, j'y vais. Hé, connard! Oh, mec, arrête, qu'est-ce que tu fais? Eh non, j'ouvre pas. On va prendre le camion, viens. Viens, on va se tailler. Vas-y, viens, gros. Je sais pas ce qu'il fait, gros. Hein? Aïe! Aïe! Wow, je suis dégoûté, gros.
Mais en fait, il y a une porte latérale. On est des sgegs, on n'y a pas pensé avant. Eh ben, faut qu'on... On va remettre les cartons. Et on va bloquer la porte latérale. Bon, allez, on remet les cartons et on fait sauter cette porte latérale. Là, on va faire sauter la poignée ou une connerie, on va faire sauter un dispositif. Bon, les gars, il commence un peu à faire nuit. On a passé la journée à faire ça. Pour vous dire qu'il fait vraiment, vraiment froid et qu'on va pas tarder à rentrer s'il n'y a personne qui... Il y a un mec là qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Bizarre, ouais, comportement suspect. Dès qu'il commence à ralentir, les mecs. Hop, il essaie d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Gros, au moment où il rentre, c'est bon, cette fois on se fait paniquer. Mais c'est bon, c'est tranquille. Hé connard! Hé connard! Viens, viens, viens. Voilà. Oh! Mec! Quoi? Allô? Oui? T'es prêt pour une balade ou pas? Non, mais laisse-moi sortir! Pourquoi? On s'explique! Mais pourquoi tu m'enfermes? Eh, parce que tu rentrais pour prendre les colis, non? Mais même pas! Comment même pas? Ah, vas-y, non, mais t'inquiète, on s'explique! Laisse-moi sortir, s'il te plaît! Ah, oh, écoute-moi, on va faire une petite balade! D'accord? On va t'emmener au commissariat! Non, s'il te plaît! Ah, bon, s'il te plaît! Bon les amis, on va faire un petit tour pendant qu'il est dans le camion. Et j'ai une petite idée, je vous laisse deviner. Pendant le petit tour, il y a une GoPro qui fait à l'intérieur, vous verrez tout. Et je vais l'emmener dans un endroit avant qu'il fasse nuit, venez vite. On a pris le volant, notre ami est à l'arrière. S'il te plaît, ah, tu veux pas juste, on s'explique s'il te plaît. On s'explique? Ouais, s'il te plaît. Alors vas-y, explique-moi. Mais pourquoi tu es dans le camion déjà? Je sais pas, j'ai ouvert, y'a personne. Donc on est d'accord, tu voulais voler? Oui. Ok, on va au commissariat là, je peux pas arrêter le camion. Ah non, s'il te plaît. Attends. Oh putain. Y'a un piéton, excuse. Je vais mourir. Écoute-moi. Quoi, je t'écoute. Pourquoi tu as volé, frère? J'ai volé parce que c'est un peu marquise. Il m'a fait justifier le moyen. Parce que tu sais, il y a plein de gens là. C'est bientôt Noël et il y a plein de gens qui attendent leur colis. Les enfants. Les enfants. On va trouver un arrangement, toi et moi. Tu es prêt à trouver un arrangement avec moi ou pas? Oui. Ils me posent tous la même question. T'as remarqué? Dans chaque vidéo, ils me disent c'est quoi l'arrangement? C'est ta partie préférée, je crois. C'est ma partie préférée, frère. Quel arrangement! Eh ben, vous allez voir ce que c'est l'arrangement. Écoute, je vais t'ouvrir le camion. Et tu sors, ok? Par contre, faut que tu sortes vite parce que si je t'attrape, je t'amène au commissariat. T'as compris? T'es prêt? Je vais t'ouvrir. T'as 10 secondes pour sortir, même pas. Allez! Bon mon ami, à plus. Allez, viens, on s'en va, il va remonter tout seul. Allez, let's go. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, voilà, notre ami, je pense que c'est la meilleure sentence qui pouvait lui arriver. Je pense qu'on y a rafraîchi des esprits. Et je pense qu'au moins il recommencera plus jamais à voler les colis des gens. Dehors, il fait 13 degrés. Donc imaginez l'eau à combien elle est. Donc voilà, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Voilà, tchuss!